Добро пожаловать в мой канал. Ромed, notre envoyé spécial permanent, le pape François sait que, quand il s'exprime sur les migrants, il crispe une partie des catholiques. Mais il n'en a cure pour lui, ce drame touche trop la dignité humaine pour qu'il se taise. Aussi n'a-t-il pas craint, au cours de ses fêtes de Noël, de comparer Marie et Joseph en route vers Bethléem avec tous ceux qui sont aujourd'hui contraints de quitter leur terre vers une autre qui ne les attendait pas, où il n'y avait pas de place pour eux. Marie et Joseph se sont vus obligés de partir. Ils ont dû quitter leurs proches, leur maison, leur terre et se mettre en route, a-t-il développé dans son homélie de la messe de la nuit de Noël, comparant aux parents de Jésus, ces familles entières qui, aujourd'hui, ne choisissent pas de s'en aller mais qui sont obligées de se séparer de leurs proches, sont expulsées de leur terre, ces hommes et ces femmes, a-t-il ajouté, ne cherchent souvent qu'à survivre aux hérodes de leur qui, pour imposer leur pouvoir et accroître leur richesse, non. Aucun problème à verser du sang innocent, et hier midi, dans son message de Noël depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, où il dénonçait les « vents de guerre » qui soufflent sur le monde, un modèle de développement déjà dépassé qui continue à engendrer de la dégradation humaine, sociale et environnementale, c'est à nouveau le drame de tant de migrants forcés qui mettent en danger même leur vie pour affronter des voyageurs exténuants qui tant de fois finissent en tragédie, qu'il a mis en exergue. Politique. Le pape l'assume, dans le sens le plus noble du terme. Dès le début de la messe de la nuit, la liturgie de la Nativité rappelle bien que le Christ est entré, aussi, dans l'histoire politique des hommes. Hier midi, le pape évoquait encore ce « Dieu qui vient, qui prend notre chair mortelle, qui se fait petit et pauvre pour nous sauver », après avoir, dans la nuit, souligné l'étincelle révolutionnaire de la tendresse de Dieu et le renversement des valeurs opérées par l'incarnation. Marie et Joseph, pour qui il n'y avait pas de place, sont les premiers à embrasser celui qui vient nous donner à tout le document de citoyenneté, mais quand il compare les villes d'Occident refusant les étrangers à Bethléem, ville qui n'a ni espace ni place pour l'étranger qui vient de loin, et qui, dans ce cas, semblerait vouloir se construire en tournant le dos aux autres, François prend garde de ne mettre en cause aucun pays nommément. En appelant à une nouvelle créativité sociale, c'est à chaque catholique qu'il s'adresse. Y compris ce que tant de « fake news », fausses nouvelles, ce n'est pas un hasard si ce sera le thème de la prochaine journée des communications sociales en janvier. Paralyse de peur, n'ayez pas peur, ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, a-t-il lancé, citant explicitement Jean-Paul II, et appelant à ne pas craindre, de faire l'expérience de nouvelles formes de relations dans lesquelles personne ne doit sentir qu'il n'a pas de place sur cette terre. Noël, c'est le temps pour transformer la force de la peur en force de la charité, en force pour une nouvelle créativité de la charité, a-t-il insisté, demandant à tous d'être des sentinelles pour beaucoup de personnes qui ont cédé sous le poids du désespoir qui naît du fait de trouver fermées de nombreuses portes. Tous sont ainsi appelés à devenir protagonistes de l'hospitalité de Dieu, que notre cœur ne soit pas fermé comme le furent les maisons de Bethléem, a-t-il conclu son message de Noël, hier midi, place Saint-Pierre devant 50 000 fidèles. En martelant ainsi son discours sur les migrants, François espère, comme il l'a dit dans la nuit, que les pleurs de l'enfant de Bethléem nous réveillent de notre indifférence et que ça tendresse révolutionnaire réveille notre sensibilité et fasse que nous nous sentions invités à le reconnaître dans tout ce qui arrive dans nos villes, dans nos histoires, dans nos vies. Nicolas Senet.